Non, c'est pas possible. Les États-Unis déclassifient tous les dossiers relatifs au Covid. Quoi ? Aux États-Unis, on n'a plus le droit de donner son sang si on est vacciné ? Quoi ? On interdit la vaccination des jeunes ? Interdit ! Putain, mais c'est terrible ! Mais je pensais que c'était les trous du cul du monde. Je pensais qu'ils étaient vendus, moi, ces gars-là. Comment c'est possible que ce soit eux qui en premier décide de monter une sacrée enquête contre le Covid parce que, ah, bah, il y a des sportifs qui meurent, aléatoirement. Tiens, c'est étrange. Fais chier. Ça aurait pas pu être quelqu'un l'un d'entre nous. Pourquoi c'est eux là-bas? Merde, je pensais qu'ils étaient vachement plus foutus avec leur régime de merde corrompu avec Biden au pouvoir. Merde! Putain, fais chier les États-Unis, mais merde, quoi. Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est que bientôt tous les Européens qui étaient derrière, ils vont tomber avec. Parce que quand les Twitter Files et tout ça va sortir, et tous les dossiers vont sortir, bah il y aura des contrats, il y aura des chiffres, nous on saura, on pourra imaginer, évaluer les dégâts des trucs, tu vois. Et puis si tout d'un coup, je sais pas moi, ce procès à la Cour internationale pénale des États-Unis, voté à l'unanimité, on découvre que tout d'un coup, tiens, il y a crime contre l'humanité. Oh ben tiens, Van der Leyen, tu te sens bien dans ton slip ou quoi? T'as un petit souci maintenant? Ah ben ouais, ben parce que ça, on n'en parle pas dans les... Non, on n'en parle pas, ni dans les jeux. On n'en parle pas nulle part. Pourquoi? Mais parce que sinon, ça va être la vraie merde. Oh putain, Berset, tu la sens bien là? Tu la sens bien? T'as encore perdu quelques cheveux, je crois. Putain, comme ils vont être dans la merde, ça va être terrible pour eux. Mais les États-Unis, quoi, putain, incroyable. Bon, bah, je vous dis bravo, hein, du coup, mais ça me casse les couilles. Ça aurait pu être nous, quoi.